Yeah, Pepsi! Donc, voilà. Ok, donc, attends, laisse-moi voir quelque chose. Ok, là, j'ai encore les 4. Parce que, wow. Là, la fin, c'est comme, encore, j'avais cette équipe-là là, pour, you know, planter les baies, puis les arroser, puis jeter tous les arbres à miel. Puis, chose qui s'est passée, c'est que Créfollet a apparu, là. Donc, pis là, je m'étais dit, ok, pourquoi pas lui faire un peu de dommage tant qu'à faire, là. Donc, j'ai utilisé un implore, ce qui est, yeah, le mouvement le plus faible de Expandong, là. Pis devine quoi? Coup critique. Pis là, j'étais comme, mais bon, en fait, ça a bien fini pour moi, là, parce qu'il restait juste une graine de vie, pis elle s'était enfuie. Donc, la seule chose qui me restera à faire, c'est de la paralyser. Bon, enfin, est-ce que ce serait-tu pas mieux si je l'endors? Parce que même si la paralysie, c'est comme, ok, là, j'ai pu à lui remettre le cette statue-là, là, pis, voyons, c'est que j'allais avec ça. Pis, il y a des chances qu'il va pas s'enfuir. Je pense que ça serait moins efficace là, que si je l'endormirais, là. Comme j'aurais plus de chances de lui lancer des boules si elle dormirait, là, pis, voyons. Si je la paralyse, je pourrais pas le faire. Donc, ouais, là. Faudrait que je considère ça, là. Parents, regarde. Encore un autre Goinfrex dans Route 215. Qui est, voir si je peux sortir ma carte, là. Bon, ouais, hein. Qui est drette là, l'arbre à miel, là. Donc, c'est juste à drette, là, du bar laitier, là. Ça y est, y a non. Voyons, je suis vraiment chanceux avec les Goinfrex, là, pis... Par exemple, la fille qui m'a fait un peu chier au début, c'est comme, il m'a surpris, là, pendant que je plantais les baies pis je choquais tous les arbres à miel, comme j'ai pas pensé à sauvegarder avant. Donc, j'étais comme... Bon, maudit, là, faut que je m'y fasse avec la nature qu'il y a, là, pis... Well, les natures que j'ai, là, les Goinfrex que j'ai capturés, ils sont pas mal, comme, ok, l'âge, c'est quoi encore? Plus de défense, mais moins de défense spéciale. Non, c'est pas un énorme problème, là, la défense spéciale, parce que, comme tu peux voir, elle est déjà assez élevée, donc ça me dérange pas, là. En fait, c'est quoi avec Ellie, là, le premier Goinfrex qu'on a capturé, là, c'est quoi encore? Foufou. Plus d'attaque spéciale, mais moins de défense spéciale. Ok, wow. Why not, je pense, là. Si je comptais, là, utiliser Psychique sur elle, ça peut être bon, je pense. Je sais pas, là. Puis le deuxième Goinfrex que j'ai capturé, c'est quoi, là? Rigide. Ok, plus d'attaque, mais moins d'attaque spéciale. Donc, si je veux me faire un Roflex qui est seulement physique... C'est parfait, ça, là. Donc, ouais, c'est pas méchant, là, les natures que j'ai, alors que j'y suis allé, you know, à l'aveuglette, là. Ça y est, après... C'est au cas que si je m'en servirais d'un d'eux, là, pour l'air de combat, là. La zone de combat. Voyons, comment on l'appelle, mon Dieu, là? Je pense que c'est la zone, là. Mais ouais, je sais pas, je suis pas fâché là, des coins frais que j'ai eu jusqu'à date, là. Ah, là, c'est quoi la capacité qu'il y a, là? Isograisse, ok, là. Puis Ellie. Je pense que c'est Isograisse aussi. Ouais, là. Par exemple, l'autre, c'est quoi un con? Isograisse, c'est tout. Ok, pas méchant, là. Bon, ben, ok. C'est parfait, en fait, là. Non, je pense, de toute manière, un Goinfrex, il perdrait un ramassage, ce qui évolue, mais... Mais, ah ouais. So, y'a-t-il autre chose? Non, là, j'ai juste amélioré, ces trois-là, là. Attends, là, j'ai juste amélioré d'un niveau, là. Juste pour les faire évoluer, c'était pas grand-chose, là. Ah ouais. Donc, comme tu peux voir, j'ai plein de Castorno pis de Axolotl. Moi, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à aller dans le Grand Marais. Ça, y va-tu? Non? Ok. On va aller dans le Grand Marais, là.
Puis de toute manière, je pensais y aller à chaque jour parce que... Wow. Ok, tout d'abord, ça coûte seulement 500 cents. Ben, 500 piastres, là. Putain, là. De toute manière, ça me tentait d'avoir une meilleure tropieuse que j'ai pour Nana, là. Donc, ouais, pourquoi pas, là. Mais ok, là, la personne d'intérêt pour moi, là. Bon, ben, là, tesson bleu, là. Justement, ça, ce qui me manquait, là. Ok. Non, c'est une autre affaire que, comme je regrette, là, c'était à ça, c'était comme genre ce que j'ai fait avec mes objets, comme... Regarde, la majorité de ces tessons-là, je les ai trouvés dans les souterrains, mais regarde, j'ai moins de tessons bleus, parce que je pense que mon problème, c'est que j'ai décidé d'utiliser ces tessons-là pour point glace et point clair sur... Un capidextre, là, que je passe, qui est pas top de toute manière. Comme je pense, j'ai gaspillé mes tessons. Puis, ils utilisent surtout des tessons bleus. C'est ça ce qui me fait chier. Ces deux-là, ils utilisaient ces tessons-là. Donc, j'ai pas mal utilisé 12 tessons bleus pour peut-être rien, là. Oh, wow, je vais m'y faire, je pense. Non, je pense que c'est pas ça pour moi de faire un bébé avec elle, là, pis comme il garde, là, ses mouvements-là, mais hein, ça me fait un peu chier quand même. Comme, de toute manière, je sais pas s'il y aura les bons stats, là. Anyway, là. Mange la marde. Mange de la marde. Comme... Est-ce que tu vas supporter ça? Non, mais tu vas vraiment supporter à ce que je te lance de la marde d'en face, là. Et mon Dieu, là, je te dis, il s'en va pas, là. Wow! Et il est hors de lui! Maudit, là. Attends un peu, là. On va voir. Est-ce qu'il va s'enfuir? Wow! Ok, t'es persistant, je te l'admets, là. Non, apparemment que lancer de la boîte, c'est comme ça augmente. Mais attends, là. Si c'est pour que tu te fâches après moi, laisse-toi avouer. Lancer de la boîte sur les Pokémon, ça augmente les chances de le capturer, mais ça les rend plus susceptibles à s'enfuir. Pis les appâts, là, ça fait le contraire. Ok, fine, mange de la marde, là. Mais attends, là. Mais attends, là, celui-là, il est résilient. Mais laisse-toi faire. Je veux m'enfuir, mais... Je veux voir comment loin ça peut aller. Bon, ben, attends, là. Il est curé, là. N'importe quoi, là. Ah. Actually, tu sais quoi? Là, je peux plus voir où est-ce que je peux aller ou pas, là. C'est-tu... Je me souviens pas de la carte. Oh, ben, capture. Non, on peut pas. Hein, ok, allons là, là. Alors... Il y a deux Pokémon en particulier que je veux avoir parce que aujourd'hui, ces deux Pokémon-là ont décidé d'apparaître. Parce que si tu te souviens pas, il y a des Pokémon qui apparaissent là, selon la journée. Là. Attends, puis là. Je veux pas le faire. Là. La raison pourquoi je me mets là, c'est parce que je vois de quoi. Là. Est-ce qu'il y a un objet là ou que je l'ai ramassé? Non, c'est plus bas, là. Bon, ben, tiens, là, un des Pokémon là, qui a décidé d'apparaître aujourd'hui, là. Donc, capturons-les, là. Actually, maintenant que je pense... Est-ce que tu peux capturer Parasect? J'ai pas pensé à acheter ça, là. Non, faudra que j'en capture un deuxième, là, si je veux, là. Pokémon champignon, là. Les champignons, elle fait tout chicasso, là. Oh, ben, ok.
M'en suis servi de lui, je me sers de lui dans rouge et bleu, là. Ou bleu, là, je me souviens plus lequel, là. Mais ouais, je sais pas, là, je le trouve classe. J'ai eu assez ces marais-là. Regarde, c'est-tu là? Whatever, ok, là. Raison pourquoi je check, c'est comme je suis pas sûr si j'ai ramassé la plaque toxique, là. Je me souviens plus vraiment, là. Bon, ben, t'as vu, là, un Tropius, là, comme je veux, là. Mais reste, ok, là. Ah, ouais. You know, ce qui serait horrible, si un de ces Pokémon-là aurait Pokéros, là. Puis ça serait impossible pour moi de le savoir, là, mais... Ouais, mais sinon, ça ferait aucune différence, là, n'est-ce pas, là? J'ai battu mon propre argument, là, comme ça, là. Ok, t'es un blanc, un Axolotl encore, je sais pas si je vais m'en servir pour la zone de combat, là. Non, je sais pas où est-ce qu'il est, le deuxième Pokémon. Oh, un autre Castornon, là. C'est rien que ça que tu mérites, maudit, là. Ouais, whatever, là. Wow! Ok, attends, je vais essayer encore juste une autre fois, là. Sac de nœud, ok, là, pourquoi pas, là. Je peux-tu la voir? Hein? Et une autre fois, là, parce que je veux avoir un autre sac de nœud, peut-être bien, là. Mais oh, maudit, là. Attends, là. Ah, oh, wow. Est-ce que t'as des limites de poids, là, dans cette génération-là? Je me souviens plus parce que ça le dit pas, là. Ça dit pas s'il y a un nombre limite de poids. Ah, wow. Non, Tropius, ok là. Allez! Ok, thank you. Je sais pas si je vais. Je pense que je préférerais mieux avoir une femelle pour. Ouais! Hein? Voyons. Comme j'ai été voir les jumelles tantôt, puis je les ai pas vues. Ok là, bon ben. Essayons d'en capturer un. Est-ce qu'il faut que j'évolue ça aussi? Rien, maudit, là. Ok, il va falloir que j'en capture un autre. Bon ben, ok. C'est une bonne surprise, je pense. Ok. Castorno, j'en ai marre, là. Ok. Par exemple, ce qui veut dire, là, si je veux capturer des Pokémon dans le Grand Marais, là, pour non seulement les tessons, mais aussi pour avoir des Pokémon que je pourrais utiliser pour la zone de combat, you know, ce qui me fait un peu chier, c'est comme faudra que je check tous les Pokémon, puis je compare les stats, là. Au moins, dans cette génération-là, il y a une manière de comparer les stats des Pokémon, là. Comme dans, si tu vas dans la boîte, là, mais, hein. Je sais pas, ça me chante pas, là. Attends, pourquoi j'essaie de la capturer, là? Allez, je vais avoir un autre exécuteur. Exécuteur, tu veux dire? Ah. Oh. Sac de nœud, pourquoi pas, là? Je peux la voir, hein. Comme la meilleure affaire, s'il y a un limite de pas, c'est de rester immobile, là, pas mal, là. Mais on allait. Ensuite, tu sais, c'est quoi ce qui serait encore horrible, là? C'est comme s'il y aurait un shiny qui apparaîtrait, là, pis il décide pas de s'enfuir, mais j'ai plus les boules pour, là. Ça serait horrible, là. On dit, là. Comme j'ai gaspillé mes boules tantôt, là, j'en mets, là. Allez! Castorno! Oh. Oh my god, là, c'est... Je vais avoir un autre execute, là. Un autre execute. Et en fait, là, je vais dire, c'est quoi ce qu'il y a d'autre, là, que j'ai vu dans les jumelles, là, c'est...
là, je vais le montrer, je vais le trouver. Non, c'est trop loin, là. Ah, le v'là, là. Il y a un Kotox 7, là. Peut-être je vais pas le trouver, là, mais ouais, là, je vais le chercher dans mon temps libre, c'est ça que je vais en venir. Ok, je peux tout avoir. Maudite merde. Ok, fine. Un autre essai, là, pis... Hank, une balle. Allez. La boule de la chance. Il sort immédiatement. Ah ouais. T'as été sauvé cette fois, cette là, mon homme. Bon, eh bien, c'était pas très lucratif, là, mais... Oh, wow, moi, je pense que j'ai eu des 3 pièces. C'est pour ça que je l'ai fait en journée, là. Ou à 6h du soir, c'est pour comme je puisse avoir d'autres 3 pièces, là. Pour que je puisse remplacer Nana, pour que je pense que j'ai eu des molles seulement, là. Ah! Voyons, c'était quoi, donc, que je voulais faire? Wow! Ah ouais. Yeah, je vais faire dans mon temps libre, là, capturer les autres affaires. Par exemple, le Pokémon qui m'intéresse vraiment dans le Grand Marais, c'est... Kecleon. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire avec... Voyons, avec lui, là. Anyway, là, l'affaire que je vais faire, je vais... Voyons, attends. Ok, je vais te prendre, toi. On va aller explorer un peu Sinnoh, là, parce que, comme j'ai dit, il y a quelques objets que je n'ai pas ramassés, là. Donc, ouais, on va faire ça, là. Allez, là. Première fois que je prends mes membres d'équipe, là. Ok, là, tiens, là. Voyons. Et là, maintenant que je pense, est-ce que tu me dis quoi, là, si je te parle? Ok, là. Un peu trop tard pour ça, là, mon homme. Ouais, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser de repoisse, tu passerais-tu, là? Ok, masque repoisse, là. Non, ok, j'ai dit que ce type-là, il disparaît après un bout. En fait, il disparaît et laisse un livre, là, durant un événement. Par exemple, je sais pas si l'événement, je peux le faire, parce que... Bon, tout d'abord, faut que je trouve les cheats, là, mais... C'est surtout parce que un des événements, il a jamais été rendu public. Donc, je sais pas ce que je veux en faire de ça, là. Donc, voilà. C'est quoi? Plaque terre. Ok, là, j'ai manqué ça durant tout ce temps-là, là. Ok, là. Comme l'affaire qui me fait chier, c'est comme je me souviens qu'il y avait voyons, la plaque point, là, que je n'ai pas montré sa description, là. Puis, je veux vraiment vous montrer les descriptions de toutes les plaques, là. Donc, voilà. Y a-tu autre chose que... Non, là. Pourquoi je veux pas utiliser une corde sortie, là? Ouais, c'est où que je voulais aller avec ça, là? Maintenant, j'ai oublié, là. Bon, ok, là, je pensais qu'il allait avoir un Pokémon qui va juste me faire chier juste un petit peu, là. Ouais, c'est vrai, là. Dis donc, puisque j'y suis, là. Ok. D'accord, je me souviens pas si je leur ai parlé avant, hein. Bon, ben ouais, là, puisqu'on le chasse, là.
Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ok, on a la sorte de Cynthia, je l'assume. Ok, toi et le parent, tu dis quelque chose d'intéressant là. C'est important, là, ces deux objets-là, là, quand même. Ok, donc, ouais, il y a cette place-là, Aster. Oups. Il y a cette place-là, Aster. Parce que, ouais, comme je l'ai dit, il y a des objets là, que je veux, là. Et you know what? Est-ce que j'ai battu tout le monde? Ah, ok, là, je vois comment on fait pour avoir l'objet. Ouais, what? Ok. Ok, là. Ok. Je dois parler de Koga, là. Allez, il est où le plan d'eau, mon dieu, là? Attends un peu, là. Ok, le v'là, là. Non, ok, je suis en train de surfer sur Indigo, mais Nol est en train de faire la cascade à sa place. Comment ça marche? Attends, ça me vague. Et non, maintenant je pense. Comme je suis en train de penser à Why Not, là, est-ce que je suis obligé de. Ouais, maudit, attends un peu, là. Ok, Articodin, merci de te montrer, là. En passant, voyons. TikTok, c'est totalement là. Voyons, c'est où que je voulais aller avec ça? J'ai vu Zapdos deux fois, puis je lui ai fait des dommages. Donc, ouais, j'ai vu toutes les oiseaux légendaires. Bon, ben, ok. Ok, par exemple, ça veut dire que Pétunia n'est pas assez vite pour les endormir, n'est-ce pas, là? Et toi là, tu vas le mériter là. Je sais pas si j'ai. Ah tiens, ok là. C'est tout? C'est vraiment tous les objets ici? Ok là. En même temps, mieux, mais je dois. Hein? Je sais pas pourquoi je les tue, là. Peut-être pour de l'expérience, mais aussi c'est surtout parce que je veux pas qu'il y en ait un qui aille. You know, là. Voyons. Qui aille Pokérus, là, tu sais. Ah, t'as une maison? Ah, quelle. Ah, tiens, Dracologue. Wow! Désolé de dire mon gars, là, mais vraiment, là. Pourquoi il n'y a pas plus de Pokémon que ça? Like, je viens pas ici, là, comme. J'aurais pu venir essayer de plus tôt, mais. You know, là. Je pense qu'il aurait dû avoir plus de Pokémon que ça, hein. Oh ben, putain, là. Là, j'ai pas vu ce qu'il a dit, là. Ok, là, c'est sympa, là, je pense. Ok, c'est quoi cette place-là? Maison de Mamie Bertille. What the hell? Ouais. C'est un move tutor? Ah ouais, ok là. Ah ouais, j'ai vu ce message-là avant, là, mais c'était dans une prise ratée, là.
pierres. Il a justement désarmé 11 pièges, ce qui est très peu, là. Yeah, allons désamorcer des mines dans ce terrain, là. Mais ok, je comprends vraiment pas le but des Move Tutor. Parce que... Mais attends, c'est quoi ma logique derrière ça? Comme je pense par exemple dans le remake là, de... Voyons, le remake là, de Fire Red and Leaf Green, ben... spécifiquement rouge et bleu, là. Il y avait comme un TM, tu pouvais trouver un objet dans Génération 1, mais à la place, là, de comme... C'est après la montagne de la lune. Puis je pense dans le remake, ils ont remplacé ça par deux types qui t'enseignent des mouvements. Mais, ce que je trouve con, c'est... Pourquoi pas juste en faire des TM? Ok, là, je sais pas quoi faire, là. Attends un peu, là, je vais voir mes notes, là. Pour dire, attends, là. Voyons, maudit. Wow, ouais. Ok, je pense qu'on a tout fait. Well, actually, alors dans le monde couronné, yeah. Il y a en fait quelque chose qu'on peut faire, puis j'avais complètement zappé, là. Bon, je regardais moi-même, puis je m'étais dit, oh shit, c'est vrai. Oups, ouais. God damn it. Geralt, ça. Mais ok, ouais, ce que je veux dire, c'est comme genre... Yeah, je comprends pas le but des Move Tutor, parce que... Là, tu obtiens des TM. C'est comme genre, moi, je préférais mieux ça, parce que... Ok, dans Génération 1, il était impossible de... De partager des TM entre joueurs, excepté en utilisant Pokémon Stadium. Je pense que tu peux y déposer tes objets d'une partie, et tu peux le transférer dans une autre. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Pis ouais, je trouve que c'est plus convenient pour ça, là. Mais là, c'est comme... Voyons. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est plus convenient d'avoir des TM parce que d'un côté, ça m'évite là, de devoir retourner en même place là, pour, apprendre le mouvement. Là. Puis aussi, encore avec les TM, là, comme plus tard dans Génération 2, là, c'est ça, tu pouvais comme partager les TM en les mettant sur, en les faisant garder à des Pokémon. Là. Mais, ok. Ouais, tu pouvais partager les TM plus convenient, là, comme entre sans les juste Stadium, là. Je sais pas, avec les Move Tutor, la fin, c'est comme... Ça te force pas mal à, comme, si tu veux recommencer une partie... Ah ouais! Regarde sa capacité, là, c'est vrai, j'ai complètement oublié ça, là. Mais je sais pas, avec les Move Tutor, like, je comprends pas, c'est comme... Encore, ça revient au même qu'au TM. Au moins, les TM, je trouve qu'ils sont plus convenients parce que tu peux, les transférer dans tes autres jeux. Là. Donc, c'est pas comme si tu peux les perdre, là, mais avec les Move Tutor, avant que tu recommences ta partie, t'es obligé de voir, OK, quel Pokémon peut apprendre ce mouvement-là à la place de juste garder ce passé-là pour plus tard. Donc, I don't know, là, je sais pas, là, j'aime pas cette mentalité-là, là. Je trouve que c'est plus de trop pour rien. Puis encore, mon but principal que j'essaie de dire, c'est comme... Ça reviendrait au même là, que juste avoir des TM. C'est juste que les TM sont plus convenients à ce que je veux en venir. Là. Yeah, je comprends pas les Move Tutor. Là. C'est-tu... Okay. Ah ouais, je préfère pas, là. Ok, j'ai déjà eu ça. Non, mais là, je pense. Est-ce que j'ai eu...
Non, ouais, rayon jeune va rien faire sur ça, là. C'est ce que je pense. Ok, non, là, je crois pas, là. Ok, là. Je chie un peu avec ça, là. Pourquoi je les bats toutes, là? C'est encore c'est parce que j'ai peur qu'il aille pour Kairos. Ok, là. Vous allez voir pourquoi on fait ça, là. Et ok, je pense qu'on a trouvé la place, là. Non, yeah, c'est ça, là, j'avais complètement oublié que tu pouvais utiliser Cascade 7, là. You know what, là, c'est comme... Ces deux objets-là sont vraiment placés convenients, là. Bon, ben, ok. Ah ben, hey, regarde. Même pas une grosse canne, ils mettent juste les deux orbes 7. What the fuck? Oh well. Now, actually, you know, là... Je pourrais faire cette affaire-là tout de suite, mais... Mes Pokémon sont trop bas niveau pour ça, là, donc... Oh well. Ouais. J'ai complètement zappé ça. Ouais, ok, là. Donc, qu'est-ce que tu me vends, là? Ok, DSP, là. Ils veulent juste presser un piton, là, pis gagner. C'est ça à faire. C'est ça qu'ils veulent, là. Anyway, donc, wow. Ah ouais, c'est vrai, là, je vais guérir mes Pokémon, là. And actually, you know what? Well, il peut avoir des roches. Je pensais, là, enlever Trendman de là, mais il pourrait y avoir des roches, là. Oh, on va le garder. Mais ok, ouais, la prochaine fois, on va aller dans la route 225, là. Ouais, ok. Ça y est, en fait, j'ai regardé ma partie 33, pis non, j'ai pas montré où est-ce que j'ai... Voyons. J'ai pas montré où est-ce que j'ai capturé des Pokémon, mais c'était juste ici, tu vois. Comme, regarde, il y a Rattata ici, là. Mon Dieu, je fais des hockey, là. Bon, ouais, là, il fait ce fond, apparemment. Il y en a le désavantage avec la nature de Béatrice, c'est comme une roche puis elle est à terre, mais tu sais quoi, maudit qu'importe. What the fuck, là? Elle est puissante, maudit, là. Encore, elle m'a pas déçu, là. Oh wow. But yeah, c'est là que j'ai capturé des Pokémon. J'ai vraiment pas été loin, là. Ben, anyway, je vais m'arrêter ici, là, pis you know, j'ai vraiment l'impression que j'ai foiré ma pensée avec les Move Tutor. Encore, mon but que j'essaie de dire, c'est que ce serait largement plus convenient si ce serait juste des TM là, qui nous donneraient, là. You know, à la place de nous forcer à apprendre un mouvement à un Pokémon avant de, you know, recommencer la partie, là. Évidemment, transférer les Pokémon, hein, pas oublier ça, là. Ah ouais, je pars pour rien, Star, là, donc, voilà. Oh, ben, tu sais quoi, la dernière fois, là, j'ai, you know, mentionné comment la... Voyons. Comme, je sais pas, la résolution était bizarre. Comme, je sais pas, ça faisait des artefacts bizarres autour de l'écran, là. Like, ok, en temps normal, sur YouTube, c'est dur à voir, mais... Lorsque tu zoomes vraiment, ben... Comme, ok, là, mon problème, c'est comme tu vois comme là, l'écran du bas, c'est comme, ok, tu peux voir qu'il y a des bottes de rouge comme en haut de l'écran du bas. Mais donc, ce qui arrive, c'est que si on zoome sur l'écran du haut, eh bien,
Regarde, il y a des comme des lignes rouges là, qui apparaissent en bas de l'écran. Like, je comprends pas pourquoi, là. Puis là où que là, ça commence à me déranger, c'est comme lorsque, you know, je regarde mes vidéos comme ça, là, comme je peux voir qu'il y a une ligne en bas de l'écran de gauche, là. Puis yeah, ça me dérange beaucoup, là. Dans ce cas, je pourrais faire, c'est comme, like, you know, là, baisser la vidéo comme ça. Yeah, comme ça, là, je peux le baisser d'un cran, là, mais ce qui arrive, c'est comme ça laisse une barre noire en haut, là. Parce que, you know, je préfère mieux lorsque la résolution est parfaite, là. Puis, ok, c'est ça l'effet de transparence que je dis, là, mais tu vois comme. Regarde. Tu vois comme là. Pis là, comme aux extrêmes de. Au côté extrême de la vidéo, eh bien, ouais, c'est comme on dirait qu'il y a une genre de. Bord noir invisible, là. Like, c'est bizarre. Puis encore, même si je déplacerais l'écran, là, c'est comme genre, je sais pas, je trouverais que la résolution n'est pas parfaite, là. Malgré du fait que, comme tu peux voir, là, comme la vidéo est de 140 sur 960, là. Lorsque Desmond est à la taille de fenêtre 2,5 fois, là. Mais. Ouais, c'est ça, c'est comme. Malgré du fait que mathématiquement, là, la taille là, des. Là, comme des écrans là, devrait être parfaite, là, eh bien. Non, là, ça l'est pas, là. J'ai pas eu ce problème-là avec Camtasia. Je sais pas pourquoi Premiere Pro fait ça, là. Oh ouais, wow, je pense que je peux rien y faire, là. Mais bon, ok. You know, j'avais la flemme de renderer là, la dernière partie quand même, là, parce que. Pour parler de ça, mais enfin bref, là. You know, c'est pas pour parler de ça, là. Raison pourquoi là, je fais ce petit bout de vidéo, c'est pour parler de quelque chose que, you know, j'ai enregistré, là, comme plusieurs autres parties, mais j'ai jamais mentionné ça, puis je sais pas où le mettre. Mais ok, voilà un article de The Gamer sur les 10 Pokémon avec des combinaisons types uniques ou rares, là. Now, you know, c'est drôle parce que, regarde, là. Voilà Lantern, là. Ils disent, là, que ce Pokémon est disponible en premier là, aux joueurs là, dans la génération 4, là, ce qui est absolument faux. Là, je sais pas d'où c'est qu'ils ont eu cette idée-là. Là. Là, je m'en étais même servi dans Ruby, là, donc de quoi ils parlent? Puis l'autre affaire, c'est comme, regarde, ils parlent de Steelix, mais l'image qu'ils utilisent, c'est de Onyx. Vraiment un article de qualité, là, je te dis, là. Mais bon, c'est The Gamer, là, c'est quand, après tout, là, c'est pas la première fois là, que j'entends du mal d'eux autres, là, mais yeah, ils font mal leurs recherches, là. Oh yeah, en fait, tu sais quoi, là? Y'avait-tu pas autre chose? Oh yeah, ok, moi, en compte avec Lantern, là, c'est comme, y'a seulement un autre Pokémon avec le type électrique et eau, là, pis c'est Rotom Wash, là, c'est comme, on n'a pas vu ça encore, parce que c'est un événement, là, pis... En voyant que Wash Rotom n'apprend aucun mouvement d'eau, là, ça compte à peine, là. Ce qui, encore, je comprends pas pourquoi, hein, parce que, like, ok, c'était, les formes altérées, là, de Rotom ou Motisma, vous l'appelez, là, ils ont été ajoutés à partir de Platine, puis, apparemment, hein, c'est comme, like, j'ai jamais essayé les différentes formes de Motisma, là, puisque j'ai jamais eu la clé, là, mais, like, apparemment que, yes, tu changes de forme, il apprend un nouveau mouvement, comme justement Hydro Pump, qui est un type O. Donc, encore, ils sont contrés là, par Bubble Garden. Là. Like, encore, The Gamer. D'horribles articles, puis vidéos, là, de ce que je peux en déduire, là. Ils sont très mal informés, là. Puis j'adore comment ils s'appellent The Gamer, comme s'ils sont le seul gamer qui existe, là. Ou l'ultime, là. Mais oh well. Yeah, puis si vous demandez, là, c'était quoi la trip avec, you know, le Pepsi, là, well. Do you like Pepsi? Yeah, Pepsi! That's so cool, dude. Oh, man. Voilà. Oh well. Ouais, c'était tout pour le moment, donc, ouais, là, je savais pas où mettre cet article-là, mais, tiens, voilà, là. Bye.